Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai commencé dans cette vidéo à faire l'isolation du camping-car, donc à la mousse expansive. Bon bah je vous laisse regarder la vidéo et puis, on se retrouve plus tard. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce si ça vous a plu et la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Sur l'isolation, je vous mettrai le lien tout en haut, où j'arrivais pas à trouver de plaque de polystyrène, enfin de stérodure, donc par période de Covid. Donc voilà, j'ai commencé ma mousse et c'est la galère, c'est la grosse galère. Voilà, c'est la galère parce que ça gonfle, ça, il faut recouper, et donc pour lisser tout ça. Non, c'est vraiment la galère. Voilà. J'ai vu pas mal de dans vos commentaires, pas mal d'idées pour essayer de faire quelque chose. Voilà, j'ai contacté aussi Jérémy de la chaîne The Vadrouilleur Forever, qui m'a, lui, dans son bus, l'a poncé après. Voilà, donc bah, je vais essayer de faire comme il m'a expliqué. Enfin, voilà. On verra bien. Mais je pense que j'ai beaucoup de temps à y passer pour faire quelque chose de propre. Voilà. Sinon, bah, le toit est quasiment isolé. Donc là, j'avais trouvé des plaques en styrodur. C'était dans la vidéo d'hier. Je vous mettrai le lien aussi là, tout en haut. J'ai passé aussi mes fils pour l'éclairage en fait de la chambre derrière. Voilà. J'en profite pour les passer dans la structure, ça m'évite d'avoir des gouttières électriques à l'intérieur. Bon bah je vous laisse regarder la vidéo.
Bon, voilà où on en est. Donc, j'ai passé la mousse. Je sais pas si vous voyez. Ça fait quand même des gros pâtés. On va dire ça comme ça. Et donc, bah, après, faut que j'arrive à poncer. Donc, j'ai trouvé éventuellement une solution. L'arme fatale, un couteau. Et j'essaye de les couper en fait. Voilà. Pour dégrossir. Tu vas avoir des problèmes avec mes parents parce que je crois que c'est le couteau de ma grand-mère. Je crois qu'il en vient. On ne sait pas d'où il sort. C'est un couteau à pain, je en sais. Fait. Voilà. Il n'y a pas de dents, il n'y a rien. Ça fait pas de traces. Ça coupe pas trop mal. Voilà. Mais peut-être qu'il en vient pas, je sais pas, mes oncles, si quelqu'un reconnaît le couteau. Recherche, propriétaire. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu coupes donc avec le couteau. Ouais, je coupe avec un couteau, pour dégrossir, voilà, et puis bah, je finirai à la ponceuse pour lisser tout ça, et... s'il reste des endroits, des trous à reboucher, voilà, ben, comme là par exemple, voilà, ce genre d'endroit, ben, je remettrai de la mousse par endroit pour essayer d'égaliser tout ça et que ce soit bien isolé, quoi. Voilà, je regrette qu'on soit en période de Covid parce que c'est vrai que le styrodur m'aurait bien aidé. J'aurais passé certainement beaucoup moins de temps. Mais bon, faut bien que ça avance aussi, et donc j'ai pas trouvé d'autre solution que celle-ci. Bref. Bon, bah, je vous laisse continuer la vidéo. Aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. La petite cloche, si vous voulez avoir une nouvelle vidéo.
Et puis, n'hésitez pas à partager pour faire grimper la petite chaîne.